Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu pour enfants. Un jeu qui s'appelle Pony Island, tout mignon, tout cosy, tout pouit 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 pouit. C'est un jeu a priori qui se passe sur une île où il y a des poneys. C'est très coloré, c'est très fou, j'adore. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Et en fait, c'est faux. C'est un jeu qui n'est pas ce qu'il paraît être. Voici le vrai menu de Pony Island. Ça fait partie de ces jeux, quand je commence à y jouer, je sais pas si je vais en faire une vidéo, parce qu'on est sûr de rien. On va donc commencer la partie. Non mais y'a pas de souci. Start game. Error. Ok, crédit c'est pété, donc on va être dans option. Vous entendez ce son là, ce bruit sourd là? Et bah pour une fois, c'est pas le tramway qui passe en bas de chez moi, c'est le jeu. Anti-aliasing, bon ça vous savez, hein, l'anti-aliasing c'est pour éviter les pixels. Donc déjà vu la gueule du jeu, je suis pas convaincu qu'un anti-aliasing sert à quelque chose. Ticket gratuit. Vas-y, moi je veux un ticket gratuit, donne. Hé, pourquoi t'es reparti? Physique des poneys. On va laisser la physique des poneys parce que bon, ça me fait un peu peur. Ah bah fix start menu, donc corriger l'erreur du start. Enfin, t'as compris, tu parles anglais un peu quand même, non? Tu vas à l'école comme tout le monde. Bon, in-app purchase, donc achat à l'intérieur des applications. Ça c'est, ça vous savez, les in-app purchase, c'est comme quand tu joues par exemple à Boom Beach là ou à Clash of Clans là, et tu dois acheter des machins pour que les bâtiments se construisent plus vite là et qu'après t'as plus de sous. Tu vois ce que je veux dire? 10, 100, 1, 0, 1, 0, ça c'est du binaire. S'il y a des gens qui s'y connaissent en binaire, je suis preneur d'une traduction. Option obscure et un petit bonhomme de neige. Ça je ne peux pas le changer évidemment. Et obscure option, je coche. Ah bah oui, fixe start menu, faut que je le coche peut-être. What the fuck? Ah d'accord. Ah mais j'ai cassé le menu option. Ah faut que je le remette là? Ah ouais. C'est complètement débile. Ok, là je peux faire ça du coup? What the fuck? Ok. What? Non, pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça? CHCK, start perst de, start to live, enable start. Ah oh, ça vous savez ce que c'est? C'est une... C'est une sorte de programme informatique. Ça va là, non? Ok! Ouais, c'était une sorte de petit programme informatique. J'ai pas compris. Attends, tu vas pas me dire qu'un jeu pixelisé comme ça nécessite un chargement aussi casse-couille que ça? S'il te plaît, quoi? Ah voilà, d'accord. Donc en fait, là, c'est justement encore une fois un programme informatique. Vous voyez la petite clé? C'est les séquences en fait, tu vois, c'est les séquences de programme informatique. Donc d'abord il fait une séquence, une étape, une deuxième étape, et quand il arrive au petit truc rouge, eh bien, il revient tout en haut, parce que le petit truc rouge lui dit de remonter tout en haut. Et donc, nous on veut qu'il aille en bas, et je vois une flèche verte, ça me paraît totalement logique. Tu descends. Voilà, load game, donc charger le jeu, et ça marche, c'est tout. Mais t'es sérieux? Quoi? Vous aviez juste à corriger ce problème, ça allait marcher de toute façon, je l'ai testé... Un millier de fois. C'est presque le temps de jouer. Bienvenue dans Pony Island. Quoi? Waouh, je peux sauter. Je peux sauter. Ah non, c'est cool comme gameplay, vraiment. Non, c'est à la fois riche, niveau graphisme, c'est beau. Il y a des fois comme ça où tu regrettes pas du tout d'avoir choisi un jeu comme ça pour faire une vidéo. Là, t'es con. What? Non mais ça va. Non mais c'est vrai que je suis très bon aux jeux vidéo, mais faut quand même pas abuser là, c'était quand même relativement facile. Encore? Oh non. C'est vraiment bien fait quand même, hein. Les montagnes derrière là, on s'y croit rien. On se voit déjà sur Pony Island là. D'ailleurs c'est pas vraiment des poneys, pourquoi ils ont... C'est des licornes en fait, c'est des poneys licornes. Ah non mais les poneys ils ont pas d'espèce de verge sur le front. Découvre le reste de Pony Island. Insérez votre âme pour continuer. Qu'est-ce que c'est ce jeu de l'enfer là? Insérer mon âme, bah vas-y j'insère. Comment fais-je? Comme je me glisse, je... Expliquez-moi comment... Okay. Oh, regardez! Oula, il y avait un petit truc en bas à droite, je sais pas si vous avez vu. Et on se retrouve encore une fois dans un programme informatique de mes couilles. Ah, faut que j'aille dans... Ah non, faut que j'aille à Crash Game. Bah c'est nul, j'ai pas envie de faire crasher le jeu, je veux faire une vidéo dessus. C'est complètement pourri. Donc attends. Réfléchisse... Ah, regardez, il y a une flèche ici. Pour aller à droite, donc pour passer dans la colonne d'à côté.
Donc voilà, on est content, non? Donc, ah oui, attends, si je fais genre un truc genre comme ça là, tu vois, tac, 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 la clé, boum. Oh, je suis moitié bon là, sur ce coup là. Ok, par contre, je n'arrive pas à lire. Quoi? Quoi, quoi, quoi? Pony Island a cessé de fonctionner. Vérification d'une solution pour le problème. Petite parenthèse dans la vidéo, comme ça, juste pour savoir, c'est vraiment à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Est-ce que il y a un être humain, depuis la création de l'humanité, qui un jour a eu un problème Windows qui a été résolu par justement cette petite barre qu'on a tous eu là, il a eu une erreur Windows, résolution en cours, et ça n'a jamais rien résolu, on est d'accord? C'est de la grosse merde. Je veux dire, le développeur qui a développé ce machin, je sais pas, il a dit bon, je vais créer une fenêtre avec un chargement histoire que les gens ils se disent qu'on fout quelque chose derrière. Mais en fait, pour de vrai, jamais personne n'a eu un problème résolu grâce au résolutionneur de problème Windows. Résolutionneur, j'invente des mots. Et alors bah je ferme du coup, puisque ça ne sert à rien, hein, c'est comme dans la vraie vie. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires à propos de l'avancement du gameplay? Car c'est là on s'emmerde, hein. Moi je veux bien faire des What? J'ai déplacé la fenêtre. Oh, bah on va la fermer la fenêtre. Trop cool, c'est un bureau. Enfin un bureau Windows. Messenger, ça me rappelle MSN, ça. Est-ce qu'on peut wheezer des gens ou pas? Oh oui, on peut wheezer des gens, je pense. Hopeless, qu'est-ce que c'est que ça? Hello. Hello. How are you? How are you? est-ce que tu peux voir ça? S'il te plaît, réponds hello. Putain, le mec, il me harcèle, quoi. On dirait un enfant, quoi. Wesh, gros. T'es là? C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais salut. Ok. Who are you? I am Thierry. Salut, I am Thierry. Mais non, je suis Thierry, pas... Bon, laisse tomber, tu m'as déjà énervé. Je suis prisonnier de cette machine. Ah, merde. Ah, c'est con, ça. J'ai pas envie de te faire paniquer, mais c'est possible que nous devons partager notre même destin. J'ai un plan, mais je peux pas l'exécuter. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, I am Thierry? Vas-y, gros. Je suis chaud. Quoi? C'est quoi, ce bruit? Ah, attends, il y a... Oh, putain, je suis trop populaire, en fait. Laisse tomber, j'ai trop d'amis Facebook, tout le monde me parle. Hello again. Hello. Quoi? Pourquoi t'as changé de pseudo? C'est toi? C'est toi, wesh? Tu dois te sentir bien à propos de toi-même. Tu as hacké ta sortie de Pony Island. C'est vraiment terrible que tu aies dû t'échapper de ce jeu, mais tu devais vraiment le faire. Là, faut se calmer. 2 minutes. J'ai déjoué des programmes informatiques de très haute sécurité. C'est vrai. Mais c'est pas la peine non plus de me sucer la... Qui est en train de t'envoyer des textes? Arrêtez de me parler tous en même temps. Bah, c'est toi. C'est toi, enfoiré. Merde. Ah, c'est un clavier anglais, du coup. C'est toi, enfoiré. What? Don't message... N'envoie pas de message à quiconque d'autre qu'ici. Il y a 3 programmes... De corps sur lequel repose le système de cet ordinateur, hein, je suppose. Il faut les supprimer pour s'échapper, quoi, tout simplement. Est-ce que tu m'as bien compris? Yes, yes, I understand you. Qu'est-ce qui se passe? Good, ok. Et l'autre, il me dit, tu parles à qui? Mais ça va, on dirait 2 meufs qui veulent sortir avec moi, là. Genre, tu parles à qui? Tu parles à Natacha? Tu parles à Natacha? Hein? Et toi, tu parles à Jessica? Arrête de parler à Jessica. C'est bon. Who are you talking to? À ta mère? Voilà. Putain, you are so arrogant. Tu es tellement arrogant. Genre, il a compris ta mère. Beau gosse. I have been making changes to... J'ai fait des changements sur Pony Island. On va voir ce que tu penses de ça cette fois-ci. Assez de tout ça. Maintenant, tu es à moi. Dis oui, maître. Comment ça, oui, maître? Mais va bien te faire foutre. Va te faire... Ah. C'est pas moi qui ai tapé ça. Je peux pas taper autre chose que Yes Master? Oh non... C'est trop facile, ça. Je trouve ça un peu limite. Peu importe ce que je tape, ça fait Yes Master. Eh bah bravo. Eh bah tu sais quoi, je vais quand même écrire va te faire foutre. Et je m'en fous qu'il y ait marqué Yes Master. Au moins, le cœur y était. Non. C'est pas moi qui bouge la souris, là. C'est le jeu. Non, je veux pas jouer à ce jeu de nul. C'est des poneys qui sautent. C'est nul, on s'en fout. Arrête. Oh non. Non, non. Oh putain. Alors, start game. Tu pensais que ce serait si facile? What do you think? Quoi? Qu'est-ce que tu penses maintenant? Ok, il a rajouté de la difficulté au niveau, d'accord. Mais quoi, pourquoi je me fais défoncer comme ça? Ça va, comment je peux les... Mon jeu est difficile, mais juste. Reviens quand
tes compétences seront améliorées. Ou alors juste rends-toi et donne ton âme. Ok mec, tu vas te calmer direct. J'ai juste pas eu le temps de m'adapter au gameplay. Si j'ai bien compris, c'est... Oui, c'est ça. C'est l'espèce de fantôme là avec des cornes de zébu qui sont en train de me ken. Et... Ah, j'ai des vies en bas à droite. Ok, attends. Comment on fait pour les ken? C'est quoi que je fais mal là? Il y a une autre touche à utiliser. Mais laissez-moi juste réfléchir 2 minutes. Arrête d'essayer et cherche autre chose. Bon, option. Oh non. Oh non, j'ai cassé. Je l'ai cassé, reviens. Mais non, en plus, je suis sûr. Oh non, je suis sûr que la solution, elle était dans Obscure Option. J'en suis sûr. Remets-toi là. Non, je l'ai cassé. Zut. Oh non. Oh non, me dis pas que... Si. Oh, il y avait un truc caché derrière. Advanced Options, option avancée. Et c'est grisé évidemment, je peux pas cliquer dessus, on est tous très contents. Mais vas-y, j'ai cassé le menu. T'imagines si à chaque fois ton ordinateur était pété, il serait vraiment pété comme ça. Genre tu devrais le réparer mais à la main, tu vois. Genre la corbeille et mes documents. Oh, mes documents c'était là et mes images c'était là, putain. Ah, c'était... Oh merde. Ouais, je peux faire une pile. Oh, là on peut s'amuser. Attends, là on va peut-être pouvoir rigoler sur ce jeu finalement. Oula, contre toute attente. Oh mon dieu, j'ai trouvé Advanced. Et du coup, il doit y avoir option quelque part par... Oh, par là. Oh, alors là, je suis content. Oula. Advanced Audio. Game Jam Music. Non. Réponse à vos prières. Le silence. Non, c'est... Non, là, c'est... Tu peux partir sur un devoir de philosophie de 4 heures. Retournez vos sujets, c'est parti, là. Là, réponse à vos prières, tu montes le son, il n'y a pas de son. On est sur quelque chose d'assez profond, c'est vrai. Level up noise, monter le son du bruit. Oui, c'est insupportable, ok. Feu de l'enfer. Super. Et ça, c'est quoi? Ominous humming. Ominous. Dominé. Ominous. Oh, oh. Castanet. Non, je sais pas. Gameplay avancé. Oh, regardez. Alors ça, je l'ai vu direct. Ah non, c'est encore une séquence? Ah non. Pony Blades. Ah bah ça... Ah, des épées de poney. Bah j'en veux moi des... Oh non, ça bug. Mais s'il te plaît, des épées de poney, comme ça je pourrais tuer les petits fantômes. Munitions illimitées. Non. Pony Mobile. C'est comme des Playmobil mais en poney? Non. Free Wheel. C'est quoi ça? Mais il y a tout qui... Ah, regardez, il y a encore un truc là-haut. What the fuck? Il y a des options encore mieux que celle-ci. Ok. Oh là là là. Oh non, mais là, on est parti dans l'espace, là. Quoi? Oh! Quoi? Tricheur. Comment ça, tricheur? Mais j'avais trouvé un truc, regarde, je peux... Laisse-moi cocher! Je ne vais pas te laisser tricher à mon jeu. Mais s'il te plaît, laisse-moi... Attendez, il y a un machin qui apparaît, là. Oh non, une séquence informatique encore. La commande de fin, c'est augmenter la taille. J'imagine que c'est augmenter la taille du petit machin, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'on puisse cliquer et cocher c'était poney laser. Donc en fait, là, faut qu'on descende. Putain, j'y comprends rien, comment on va faire pour descendre? Il n'y a qu'une flèche verte là. Bah oui, ça remonte. Ah, attends, comme ça. Bouge pas. Hop là. Eh oui, monsieur. Hop là. Et là, ça a augmenté la taille. Là, je peux cliquer. Mais s'il te plaît. Mais allez. Mais s'il te plaît. Mais STP, quoi. Pourquoi? Alors, donne-moi, c'est pas grave. Donne-moi un autre programme informatique. C'est pas grave. Y'a pas de souci. Mais on va pas s'en sortir. Si j'y vais doucement. Ça va marcher. Fais chier. Je casse les couilles, sérieusement. Mais... Ah, il y a un truc là-haut. Oh, encore un petit programme informatique. Alors, start, machin. Et la commande de fin, c'est encore augmenter la taille. Donc, on va pouvoir augmenter la taille encore. Et en espérant que quand elle sera suffisamment grande, et bah, il pourra plus nous troller en la déplaçant, machin, un truc, la fenêtre à la con. Alors, là, on fait pause, que là, c'est n'importe quoi. Ah non, attends.
Ouais. Hop là, on se calme. Alors là, il y a une flèche qui peut aller à droite, donc ça c'est parfait. Ensuite, ça, ça va là. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, tout à fait, voilà. Comme ça, là, la clé fait touc, 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 touc. Non, mais c'est simple, ça, on a compris. Eh, on n'est pas con, eh, on n'est pas bébête, hein. Voilà. Hop là, et là, ça augmente la taille. Et là, je peux cliquer. Eh ben non, super. Eh ben, c'est marrant. Eh ben, on rigole. Bravo les développeurs du jeu. Waouh. Waouh, les gens sont vraiment très divertis, là. Et qu'est-ce que c'est que ces espèces de Jésus, là? Attends, il a une barbe, il marche sur l'eau. Bah, s'il te plaît. Oh, 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 regardez, il est là. Je l'ai trouvé. Ça devient compliqué, cette merde. Return, machin. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je dois encore aller à une queue size, là, non? Alors, réfléchissons. Il faut que la clé aille sur la gauche, puis sur la droite, puis sur la droite, puis sur la gauche. Oh, le bordel. Si je fais un machin comme ça, là, du coup, elle va aller là. Tac, tac. Hop, se calme, on se calme. Là, du coup, bah, c'est la merde, là, comment on fait? Comment on fait là? Hein? Oh, regardez, il y en avait une cachée là. Hop là, on se calme. On remet ça ici. Tac. Voilà. Ensuite, on doit aller. La clé est là. Hein. Donc, il faut aller à gauche. Donc, ça fait un truc comme ça. Là, on s'en fout. Il faut juste que les cases soient remplies pour que ça marche. Et voilà, monsieur. Et là, je peux cliquer? Oui! Quoi? Clic droit? C'est, ah, c'est le laser, c'est ça? C'est le poney laser? Oh, 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 regardez! Oh, oh, intéressant! Oh, je peux tout casser, je peux tout! Reviens et éteins-moi ça! Tu ne peux pas jouer avec ça! Bah, si, je vais jouer avec ça! Bah, alors là, je peux te dire que je vais jouer avec ça, mon cochon! Et là. Oh mon dieu, c'est un laser. Ah, je peux laisser appuyer, oui. C'est un laser avec des chiffres binaires à l'intérieur. Une sorte d'arc-en-ciel binaire. Là, on est effectivement sur un jeu où la majorité du budget a été dépensé dans la cocaïne. Ça neige maintenant. Dis donc, on s'y croirait, hein. Waouh. Là, on est sur du Unreal Engine 12. Puis cette musique est vraiment agréable. On se... Non, vraiment, on... Oh non, c'est nul, ça. C'est pourri, ce que j'ai fait. Oh, vous avez triché. Vous... Oh, il m'a décapité. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça va, j'ai trouvé un laser dans du code que t'avais laissé, je l'ai utilisé. J'ai réussi, j'ai l'impression qu'il est distrait. C'est notre opportunité, notre chance. C'est un portail qui va t'emmener vers un fichier corps. Vous vous souvenez, les fichiers corps, c'était pour permettre de s'échapper. Prends ce portail si tu veux t'échapper. Donc là, j'ouvre. What the fuck? C'est ça, c'est le core file, c'est le fichier corps. J'ai l'impression qu'il y a un démon au-dessus. C'est une sorte de défense qu'il a mis pour garder le fichier. Ça ne devrait pas être un problème. On supprime les fichiers corps. Parfait. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là, j'ai été créé pour garder ce fichier corps. Est-ce que tu croyais que ce serait si facile? Oui. Je t'avoue que oui, hein. Ah oui, d'accord, il y a des cadenas. Alors attends, c'est quel cadenas qu'il faut ouvrir? Ah, c'est celui-là. Ah bah, c'est un truc de code encore. Et faut aller jusqu'à unlock. Oui, bah, ça devrait pas poser de problème. Je suis très bon pour ce truc-là, mais tordu. Donc start. Bah, c'est tout simple, là, non? C'est super simple, en fait, là. C'est genre, tu fais tac, tac. Ah d'accord, ce petit enfoiré fout le bordel. Genre je fais ça, MDR lol, c'est trop drôle, on s'amuse vraiment, waouh. Attends. Oh non, arrête. Oui. Fuck. Je t'ai ken. C'était un jeu d'enfant, tu ne vas pas casser un autre. Tu ne vas pas en casser un autre, d'accord. Oulala, attendez, il y a une série de symboles là, oulala, je sens. Et tu vas encore, il va encore foutre le bordel, j'en suis persuadé. Faut que tout de suite qu'il aille en fait à droite. Ouais, à droite. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, touk 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 touk. Unlock. Allez, t'as le seum. Tu as été chanceux. La chance était de ton côté. Mais je suis le plus grand
Le plus grand esprit. Tu es l'esprit le plus fin, le plus... Voilà, le... va sur Reverse ou Google Traduction si t'as des questions, parce que là, ça commence à me saouler de traduire tout. Donc là, la clé, elle est là. Faut qu'on aille à Unlock, encore une fois. Il faut qu'on esquive à peu près 1 milliard de bugs. J'appelle ça des bugs, des espèces de zones noires, là. Il faut que ça fasse bas, droite, bas, bas, gauche, bas, bas, droite. Et ça va à Unlock. Ou alors, on peut passer aussi par là. Tout à fait envisageable. Non mais on va pas passer par là. Donc on n'a pas besoin de ce chemin là. Donc comme j'ai pas besoin de retour, on va le foutre ici. Non, ça, non, ça. Par contre là, oui, comme ça. Non, ça, ça va. Attends. Ça va là. Ça va là. Non mais ça c'est de la merde, ça j'en veux pas. Je n'en veux pas, ne me distribue pas de rouge, je m'en bats les reins. Les rouges là qui reviennent, ça ne sert à rien. Faut juste deux flèches qui descendent en bas. C'est juste que tout ce que je demande. Donc, une là. Et une là. Et puis voilà. Et puis on a gagné. Droite, descend. Gauche, descend. Droite, unlock. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne vais pas échouer mon... je ne vais pas échouer mon maître. Bon, pareil, hein, tu vas sur Reverso si t'es pas content. Dernier cadenas, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a des trucs avec des pics là maintenant? Des carrés avec des pics, on peut savoir? Ah, c'est que ça les bloque. D'accord. Les carrés avec des pics, c'est que ça les bloque et on peut pas les enlever... Enfin, on peut pas les bouger, en fait. Donc, si jamais... Ouais, d'accord. Non, mais t'as compris. Ça fout la merde. Parce que du coup, si jamais il y a une pièce super importante et qu'il la met ici, eh ben, on pourra plus l'utiliser. Ça va ici. Ça va là. Ça va là. Comme ça. Là, le chemin ne peut plus être obstrué par cet enfoiré d'espèce de scarabée plume nul. Ça, on s'en bat les steaks. Ça va là. Ça va ici. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là. C'est bon. Regardez, droite, gauche, ça descend. Gauche, ça, hop, ça va droite. Hop, ça va, hop, unlock. Voilà. On a gagné. D'accord. Ok. Supprimer le core file. Ah non. Non. Arrête. Tu te calmes. Ah, je vais aller plus vite que toi, attends. Ah là, tu l'as dans le cul. Vous avez été quoi? J'ai gagné, c'est bon? C'est bon? C'est bon, on peut y aller? C'est la fin du cours? S'il vous plaît? Satan Tech. Ah oui, Satan Tech. Ah oui, j'avais pas vu. Oh. Oh non, me dis pas qu'il y en a encore deux. Oh non! Tu veux me dire que là, tout ça, tout ce qu'on a fait là pendant des heures et des heures, c'est juste pour un fichier? Là, la vidéo, elle va faire 3000 ans. Eh bien, mesdames, messieurs, a priori, nous avons fait un tiers du jeu et ce tiers est déjà très long, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si ça vous plaît et que le concept du jeu, qui est extrêmement particulier, mais vraiment très sympathique, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, eh ben, je m'arrête là, tant pis, mais en tout cas, moi, je vais me finir ce jeu pour moi-même. J'attendrai quand même vos retours pour savoir si je le fais tout seul ou en vidéo. Et puis, bah, si vous avez kiffé, j'en ferai un deuxième et ou un troisième épisode, soit sur les Pizza Guys, petite chaîne gaming à laquelle tu peux t'abonner, je fais des vidéos avec vodka, MDR, tu cliques quelque part par là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo CTA Mixem au vœu, bienvenue.